Vous ne me connaissez pas, et pourtant je conserve précieusement quelque chose qui vous appartient. Vous pourriez me considérer comme un voleur, un pilleur, un hors-la-loi. Voilà pourquoi je ne vous montrerai pas mon visage. En fait, je suis un chercheur de trésors. Pas un professionnel, non. Juste un passionné qui consacre une grande partie de son temps. Enfant, j'étais déjà fasciné par les histoires de découvertes fantastiques, de chasse au trésor, d'aventuriers. Partir à la recherche de trésors mythiques et dans des endroits perdus, des grottes ou des souterrains oubliés, guidés par des signes, des symboles ou des parchemins codés. Vous pensez peut-être que tout ça n'existe que dans les romans. Pourtant, je peux vous garantir qu'aujourd'hui encore, on peut rencontrer de véritables Indiana Jones. Un trésor fantastique enfoui quelque part dans les entrailles de la Terre, au cœur du département de l'Aude. La littérature et l'histoire très riches de l'endroit peuvent facilement se prêter à ce genre de théorie. Pour ma part, je préfère me baser sur des faits. Par exemple, j'ai découvert que dans les années 20, dans le département de la Moselle, des centaines de chercheurs s'étaient rendus sur la commune de Martilles pour y trouver un important trésor, laissé là par un certain comte de Savary. Un noble personnage dont l'histoire n'a gardé aucune trace, sauf un testament retrouvé au XXe siècle, et qui révélerait l'emplacement d'un trésor, précisément dans une forêt à Martilles, au lieu-dit le Bois des Seigneurs. Pour Albert Faggioli, un passionné qui a remis à jour cette histoire, le trésor serait en fait une partie de l'héritage du duc d'Enghien. Albert défend sa thèse dans un essai historique. Il est désormais intarissable sur cette énigme et sur les événements qui, à la fin des années 20, ont bouleversé la vie de ce petit village. En 1925, c'est la ruée vers l'or à Martilles. Ça a duré pendant un an, les fouilles. On a creusé partout, là-haut, à plus de 15 mètres, 20 mètres, pour retrouver l'accès de la tour qui permettait d'accéder au souterrain qui amenait à la chambre au trésor. Ils appelaient ça la chambre au trésor. Tout le monde est venu pour retrouver ce fabuleux trésor qui devait représenter là 400 kilos, trésor personnel du duc d'Enghien. C'était 20 000 pièces d'or, sa croix de Malte, sa médaille de Saint-Esprit, la croix de Saint-Louis lui appartenant. C'est là où il y a eu les premières fouilles. Voilà ce qui reste là, 83 ans après, des deux fameux trous, des puits carrés qu'ils avaient fait à l'époque. Un faisait 5 mètres de profondeur et ils en ont refait un autre un peu plus loin à côté là, qui faisait à peu près 16 mètres de profondeur. Et tout ça, c'était à l'époque les premières fouilles ici dans le bois. Après, ils ont fait des fouilles plus loin là, et on peut voir aussi autour les fossés de l'ancien site. On ne sait pas ce qu'il y avait comme château, on ne sait pas quelle année il a été détruit, les archives ne nous disent pas. Nous ne possédons pas de documents. À l'époque, en 1925, quand le testament avait été découvert, ils ont essayé de faire des recherches entre eux, entre amis, avec les moyens, la pelle, tout ça, mais c'était tellement de travaux difficiles qu'ils ont abandonné et qu'ils ont créé une société après qui s'appelait Marguerite, à Pont-à-Mousson. Pendant X temps, ils ont fait ces recherches et ça n'a jamais abouti. Ils ont fouillé bien précisément à Martilles, dans le Bois des Seigneurs, pour retrouver
Mais mes recherches m'ont permis de résoudre une partie de l'énigme quand même, c'est que ce trésor personnel du duc d'Anquin ne se trouve pas à Martigues, dans le bois des seigneurs, il se trouve dans un autre lieu. J'ai localisé en surface un endroit bien précis sur un autre site, et là, tous les points cardinaux et les souterrains que j'ai décelés avec mon appareil me permettent de dire qu'ils correspondent avec les croquis que j'ai. Bon, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer un peu ce que c'est un doseur. Hein. Donc, c'est un appareil de sourcier. Doseur, ça veut dire sourcier en anglais. Hein. Donc voilà, il y a trois pièces. Hein. Une chambre témoin, la poignée et puis la pointe qu'on sert. Je vais vous montrer là. Et voilà. Et quand je passerai au-dessus d'un souterrain, la pointe là va faire demi-tour vers moi et à un moment elle va se relâcher. Et vous faites la même chose de l'autre côté pour avoir le point précis du souterrain. Donc là, je vais essayer de localiser un souterrain qui partirait de ce château. Donc là, j'avance. Vous voyez, ça commence, je le sens, on passe, et on relâche, vous voyez, il se relâche, donc on met une marque ici, je refais la même chose de l'autre côté, ça y est, hop, c'est vraiment, je suis passé au-dessus là, allez, et il se relâche, voilà, donc vous mettez un morceau de bois là, voilà, donc vous pouvez mesurer à peu près 1, 2 mètres, et à un mètre, voilà. Vous êtes à l'aplomb du souterrain qui vient du château. Il y en a un qui vient là. Oui. Donc maintenant, il faudrait que je fasse la même chose plus loin pour voir si on le retrouve. Je vais plus loin. Je vais démarrer plus loin. J'attends maintenant, par rapport à la sortie de mon livre qui est édité il y a 2 ans, quelque chose, un partenaire qui sera intéressé un jour pour financer le projet et aller rechercher ce trésor. Pour moi, ça serait la cerise sur le gâteau, après la sortie de mon livre, un essai historique, de découvrir le trésor personnel du duc d'Anguin. Ça serait pour moi la cerise, comme on dit, le bouquet final, voilà. Même si pour moi, tous les moyens sont bons pour mettre à jour un trésor, je dois avouer que les méthodes de recherche employées sur le terrain par Albert Faglioli sont à des années-lumière de mon esprit cartésien. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, l'histoire prouvera qu'il avait raison.